Bonjour Internet, bonjour petit canard, ici Casamania, j'espère que la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai, je vous retrouve sur la suite de cette let's play bêta découverte de Cabal 2 les amis. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser, je vais faire ça tout de suite, je tiens à m'excuser pour les épisodes précédents, les deux derniers que j'avais enregistrés à la foulée les deux. Et malheureusement j'ai eu un petit problème technique, c'est à dire que la prise du son, ma voix a été capturé via la webcam, d'où bah écoutez le son un petit peu dégueulasse et j'en suis navré les amis pour ça, mais bon c'est comme ça, voilà. Donc il y a eu deux épisodes un peu tout moche, mais bon ça arrive. Alors là j'ai l'impression qu'il y a énormément de lag, je n'arrive pas à sentir ma monture. Alors ça commence mal, ça commence même très mal. Il n'y a plus l'autorun, il y a plein de choses qui ne sont plus là, apparemment. Comment ça se fait que je peux pas sortir ma monture? C'est fou ça. Alors, on va regarder. C'est dans quoi mes montures? C'est pas dans le sac. Ride mount. Bah, je sais pas. La monture ne veut pas sortir. Bon, d'accord, ce sont des choses qui arrivent. Je sais pas s'il y a une mise à jour entre temps. Ah, ça a expiré, d'accord. Item période has expired. Motherfucker. Ok, donc. Ah, la blague. C'était. Ma monture, c'était vraiment une monture à garder juste un certain temps hein, pour le début. Ok, donc il va falloir que je pense à ça. À, ça, c'est dans le caractère mount. Il va falloir que je rachète une monture. Merde. Ok, donc dès qu'on verra un vendeur de monture, on y va voir un peu combien ça coûte. Bref, qu'est-ce que je dois faire? Parler à Guess? Non, pas le commandant. Non, c'est de l'autre côté. Et là, il faut que je ramasse du Cryum Stream. Et du... comment ça s'appelle? Collect Wolf Leather. Et du cuir de loup. Ok. Et moi, on va se faire ça. Cryum Stream, oui, donc c'est une espèce de source de. Voilà, une espèce de source de stream, de vapeur que je ramasse. Alors il y a un métier pour ça, hein, qui fait juste ça. Là c'est pour une quête. Il y a un métier qui est ramasseur de stream. Alors, je sais pas ce qu'il fait le bonhomme avec, après avec son stream. Il va faire des trucs magiques, je pense. Pseudo magique, alors que je suis niveau 14. Bientôt 15. Alors vous pouvez constater que il y a quand même maintenant beaucoup moins de gold sellers qui pourrissent le chat. Et tant mieux parce que c'était affreux quand même, faut le dire. Alors il faut que j'aille toujours tout droit. On est bientôt à la fin de. On a bientôt fait le tour de cette map. Hein. Allez, des wolves, à mon avis. Là, je peux ramasser du cuir de loup sur eux. Là, petit lagage, petit décalage. Alors, je rappelle que le serveur est aux États-Unis. D'où la possibilité d'avoir quelques lags et ralentissements en tout genre. Puis je pense qu'il est le niveau optimisation quand même, c'est pas non plus ça. Ça reste quand même un bon jeu. Alors, je ferai bientôt une vidéo récapitulative où je donne mon avis sur ce jeu. Tiens, je cherche à le virer de ma barre ça. Ah oui, j'ai un AOE, tiens, il faut que je l'essaye. Ça peut faire mal. Alors j'ai beaucoup de skills débloqués, mais j'utilise généralement un peu tout le temps les mêmes quoi. L'attaque standard, le flash slash avec le combo, le resolu slash, le phantom slash pour TP sur un ennemi. Là-bas, il y a une mine abyss corps, on va aller se la faire, voir ce qu'il y a dedans. Allez, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, on va faire ça comme une brute. Voilà, alors, qu'est-ce qui va sortir de ce truc? The Nebulin, an abyss core. Oula, qu'est-ce que c'est que ça?
Des aigles du Netherworld. Eh bah allez. Si c'est que ça, on va se les faire. Ils sont tout petits ceux-là, regarde. Oh, so cute. Alors, suivant. Celui-là, ils sont gros, mais ils font pas spécialement mal. Boum. Waka waka. Allez, on va sortir là-haut, tiens. J'ai envie de dire que c'est pratique. J'ai envie de dire que j'aggro la map, par contre. Donc, doucement, mon petit case. Ne t'excite pas trop non plus. En plus, j'ai les loups qui repop, tout merdé, et je passe niveau 15. Bien. Et il y a un autre personnage qui est là avec moi, Scylla. Niveau 15. On va s'écarter un petit peu. Qu'est-ce qu'on va monter? Accuracy, critical. Petit coup de critical accuracy. Un petit coup de max HP. Un petit coup d'HP régène. Voilà. Et j'ai un skill qui a level up. Lightning Sword 2. Il va falloir que j'aille acheter le bouquin. Voilà. Bonne chose de fait. Passer niveau 15. Ça avance, hein. Ça avance finalement, ça avance pas mal. Mais... Et voilà, la faille est terminée, c'est le dernier. Ok, merci, au revoir. On va looter tout le merdier. Là-bas, il y a un item vert. Oh, on peut ramasser le gris aussi, hein. Le trash, ça fait toujours quelques gold quand on vend le trash. Allez, un objet vert. C'est un arc, dommage. J'ai des autres choses à faire. Oui, j'ai pas encore collecté tous les cuirs de loup. Et bah, allons-y, Baron Wolf. Voilà, ça c'est fait. Regardez la map avant de trop s'énerver. On va aller en haut, par là. Une espèce de camp retranché, c'est là que ça se passe. Donc. Lol. Bonjour. Salut, salut. Alors, Guess. Bonjour, Guess. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Very late delivery. Alors lui, je vais lui donner un truc. Alors qu'il y a des... Est-ce qu'il y a un vendeur d'autruches là-dedans? On va aller voir ça. C'est bon, merci, au revoir, merci. Des sous du PEX, excellent. On a d'autres personnes à voir ici. On a débloqué le truc, c'est bon. Alors, on va regarder un peu s'il n'y a pas des vendeurs quand même, avant d'aller prendre des quêtes en tout genre. J'ai pas l'impression qu'il y ait masse vendeurs dans ce truc. Là, il y a une quête bleue à rendre, deux même. Hop, les streams. Les Wolflazer. Voilà, ça c'est fait. Bon, qu'est-ce qui vend? Rien du tout de très intéressant. Je vais lui refiler mes 2-3 merdes là, qui traînent. Ce sera toujours ça. En moins à me traîner. Je vais regarder les items verts pour les... Écoutez, pour les désenchanter. Hein. Pour les recycler. Pardon. On va prendre les quêtes en chemin. Alors... Bonjour, Commander Hammer Steel. Vous êtes un petit peu rouge. Ok, merci, c'est cool. Oula. Are you the mercenary who applied to the Iron Hammer Citadel? Welcome. Merci. This fellow here also volunteered to protect Frey Hilltown. Ok. A very brave soldier. Mm-hmm. So, are you ready to fight? The Iron Hammer Citadel was built to keep out those plunderers. Ah, comme c'est moche. Ah, comme c'est laid. Ah. This is the third suppression expedition against them. We've been defeated twice. Bon, c'est dommage que le jeu soit aussi moche, hein. Parce qu'il est bien quand même. Il est tout sympa, quoi. Mais il est moche. There can be no victory for us until we have the head of their leader. Ok, donc on tue le chef du chef. Captain Schneider. Schneider. And the loopers. Oula, oula. We will drive them out, no matter what. Oula, oula, oula.
Double roll. Ok, donc faudra se faire le chef du chef apparemment. Hein. Cool. Il n'y a plus rien là, c'est bon. Guess. Apparemment c'est bon. Parler à Guess, encore une nouvelle fois. Suspicious Letter 1. Ok. Et tout. Freepex. J'ai une lettre. Quest Start Item. Ok, avec ça je lance une nouvelle carte. Et il faut que j'aille le donner à l'Innkeeper. Ah bah c'est en ville. Bon. Et bah on va faire un petit tour en ville du coup, on va en profiter. Alors avant d'aller en ville, les amis. Non, on va aller en ville. On va y aller. On va y aller à Freyton Town. Voilà, bonjour. On va déjà choper les tomes de skills que j'ai débloqués. Par ici même. Alors, instructeur, bonjour. Alors, le prochain c'est niveau 16. Avec ça, j'augmente. Bon, Lightning Sword 2. Ah, c'est un buff. Mais moi je préfère Lightning Sword. Voilà, qui augmente les attaques électriques. Moi je préfère garder la Dark. La Shadow Sword qui augmente le. Les critiques. Gak. Plus intéressant pour moi. Alors, je voulais voir un truc. Qu'est-ce que c'est M. Production. Ah oui, j'ai un truc qui a été produit. Il faudra que j'aille aussi récupérer ma production. Je m'y fais pas trop à leur map, mais. On va y arriver. Alors, Innkeeper, bonjour. À mon avis, il va me faire faire le tour de la ville 3 fois. Comme. Comme d'hab, quoi. Tonio. Voilà, voilà, merci. Au revoir. Vous allez voir l'ancien Mishmush qui se trouve encore en ville. Ok, ça va, c'est pas trop compliqué pour le moment. Merde, c'est nul ça, je peux pas passer ici. Ah, il y a sûrement un vendeur de montures ici, il va falloir regarder ça. Et un innkeeper, instructeur, agent shop, Christina peut-être, Volt. Je sais pas trop où je peux trouver le. On va essayer de trouver ça. Ça doit se trouver quand même, le marchand de monture. Voir au moins les prix que c'est. Voilà, merci. Keep listening. Thank you. Thanks a lot. Et ce n'est pas fini. Ça, et ça continue. Oula. Doucement. 20% ownership will be split between the finders. A lot of people gathered. So you say you worked as a secret appraiser with your husband. Miss Lua, is there anything else you remember? Miss Lua! No, I don't. Just... They say there's a law. Miss Lua! No one knows of it. All the more reason for its existence. Someone's searching for the law. The law. Okay, Miss Lua. Tout. Et Miss Lua. Allez, à la citadelle. Non, docteur Lua. Ouais, elle sera à la citadelle, très bien. Ok, donc on en a fini pour ce coin. Avec avec les cinématiques complètement badass. Ceci, bien évidemment, est second degré, hein. Alors, vendeur de Mount. Ça se trouvait, bordel la cul. Et c'est ça, shop manager. Agent shop, c'est l'HV. Est-ce qu'on peut acheter des montures à l'HV, tiens, tant qu'à faire. Want. Voir le prix. 218 000. Et il en vend 24 aussi. Ouais, mais c'est des trucs que tu les débloques indéfiniment ou... pareil, ça reste une semaine. Je sais pas. Bonne question. Est-ce que on peut va regarder vite fait ici quand même. Grossiste. Équipement. Alors lui il va me dézer un truc, ça sera fait au passage. Tiens ma couille. Strike item. Il est là. Allez, on joue au casino. Normal. Et hop. Très bien.
Ouais, bah je sais pas trop où je peux trouver le vendeur de montres. Pourtant, je suis dans l'espèce de capitale, ça devrait se trouver, merde. Bordel. Il y a le coffre, l'agent shop, le mailbox, l'instructeur. Je ne vois pas trop. Allez, on va faire un petit tour à l'Idicraft avec Lana. Récupérer, j'ai une magnétite là. À récupérer et relancer une production chez les mineurs. On va essayer de demander dans le chat du jeu où est-ce que je peux acheter de monture. Where can I buy a fucking mount, bitch? Alors, slash world, ça marche? Ça marche pas. Comment on change de canal dans ce jeu? Ah! Ouais, comme ça. Y. Where can I buy a mount? On va mettre entre parenthèses sperma. Hein. Voilà. Where can I buy a fucking mount? Ok, direction. Les mineurs. Bonjour. Allez, je récupère ça. Je balance une autre production de magnétite dans 2 heures. C'est bon. Est-ce que ça vaut le coup que j'achète des bouquins? Je crafte des trucs. Peut-être pas, hein. On va regarder tout ça de côté pour le moment. Donc retour au coffre. Le coffre. Volt. Voilà. On n'en parle plus. Je sais toujours pas comment on achète une monture. On essaie de demander. Hop, on redemande. Et on repart dans le monde vivant. Dans le monde vivant. On me rappelle qu'il y avait un endroit où il y avait un... À Les Island, il me semble. Mais à Frailton aussi, au début, non? On va aller faire un tour à Les Island, quand même. Il me semble qu'il y a moyen d'acheter une monture là-bas. Là où j'avais acheté ma première monture. Enfin, que j'ai eu une monture en autruche là. Je pense qu'il y a moyen de trouver. Moyen de trouver ça. Enfin, si toutes les autruches sont pas permanentes, mais. Elles durent une semaine, ça risque d'être un peu chiant ça. Surtout que je l'ai pas lu moi dans le descriptif de l'item. Mais bon. J'ai peut-être lu trop vite. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, est-ce qu'on a d'autres marchands ici? Équipement, marchand, grossier, papa Moreau, instructeur. Alors, dans mes souvenirs, c'est dehors. C'est dehors, non, de l'autre côté. Dans mes souvenirs, c'est là, sur la route de la ferme, que l'on peut acheter une montre. On va vite être au courant. Voilà, en face là, il y a la ferme. Et il y avait un vieux fermier. Bichel ou Farm Road, c'est ça, je me souviens. Alors, à votre avis, est-ce que le papy y vend des montes? Vad, c'était Vad. Je sais pas pourquoi dans ma tête il vend des trucs lui. Mais il est rien d'affiché donc à mon avis. J'ai rêvé. Fuck you. Et bah j'ai rêvé. Ce sont des choses qui arrivent. Bon bah j'ai rêvé les amis. Bah je sais plus même. Je suis persuadé d'avoir déjà croisé un vendeur de montes dans ce jeu. Bon. Regardez quand même en ville. Regardez avec les noms. Ah, ça. Grossier, paparo. Shop,
Ah là, il a des autruches 200 000. Ah, reculé. Ah. Ouais, mais c'est genre, c'est... Putain, 200 000 quoi. J'achète ou pas? Allez, je suis un dingue. 200 000 l'autruche. Hop là. J'espère que c'est perma, hein, parce que franchement... J'espère que c'est permanent. Hein. Allez hop, j'ai une autruche. Si c'est pas permanent, je pète mon plomb. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce let's play découverte sur Cabal 2. Je vous embrasse, c'était Kaz.